Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, les amis, une séance type d'étirement, de récupération, donc après votre sortie. Ce que je vous conseille, c'est de démarrer d'abord d'une position debout, pour aller ensuite assis, pour finir allongé, pour vraiment être dans une détente totale. Alors concrètement, ce que je vous propose, dans un premier temps, vous pouvez commencer par étirer d'abord vos mollets. Les mollets, donc l'exercice le plus connu, va être de se mettre donc face à un appui donc mural, une barrière si vous êtes à l'extérieur ou un arbre. Vous allez mettre, par exemple, si je vais étirer donc la jambe gauche, on va mettre pied gauche derrière, pied droit devant. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir pousser donc comme si on voulait renverser le mur. Alors, ce qui va être très très important au niveau des composantes, il faut éviter d'avoir la pointe de pied qui part vers l'extérieur, donc bien garder les deux pointes de pied parallèles, très très important. Et autre chose pour éviter donc toute compensation et ne pas se faire mal au genou, c'est côté jambe droite, il faut éviter que votre genou passe au-delà de la pointe de votre pied, sinon vous allez vous faire mal au genou à la longue. Donc pensez toujours que si jamais vous allez au-delà de la pointe de pied, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut reculer un petit peu plus derrière votre jambe. Donc c'est à vous de régler un petit peu l'espace entre les deux pieds, ça c'est important. Donc concrètement, si on étire, on y va. Donc on pousse le pied gauche en arrière, comme ceci. Pied droit devant. Je vais pousser sur le mur, donc en venant tendre tout doucement le mollet. Pensez à bien garder le genou gauche tendu, car les jumeaux au niveau du triceps s'insèrent justement derrière le genou au niveau du fémur. Donc ils ont une petite tendance à fléchir. Donc pensez-vous à bien tendre le genou et donc on va ramener progressivement le poids du corps sur l'avant. Ce qui va être très important, méfiez-vous de ne pas cambrer, vous risquez de vous faire mal, non plus de ne pas avoir le dos rond. Donc ce qui est important, c'est de chercher à bien se grandir, donc comme si on avait un petit fil qui nous tracte vers le haut, et on essaie de bien se grandir dans cette position. Donc là, toujours pareil, on va souffler, on compte jusqu'à 10, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté, et ça on va le faire 2-3 fois. Donc ça sera déjà le premier exercice donc de s'étirer le mollet. Le deuxième que je vous propose, ça va être d'étirer donc le quadriceps. Donc le quadriceps, pour cela, vous allez donc venir tout d'abord fléchir un petit peu la jambe gauche. Ça va vous aider à basculer le bassin pour avoir le bas du dos bien droit et éviter de cambrer au niveau lombaire. Donc je fléchis un petit peu jambe gauche. Je viens attraper mon pied droit derrière. Ce qu'on va essayer de faire, le pied droit, je vais amener donc, en gardant bien le bassin verrouillé vers l'arrière, je vais amener mon genou en arrière donc, pour faire une extension de hanche, le talon vers la fesse, je me redresse bien, j'essaie de me grandir toujours vers le haut, je souffle, je compte jusqu'à 10, puis on relâche. Donc voilà, ça c'est très bien, pensez à bien souffler, compter jusqu'à 10 calmement, même chose de l'autre côté. Et donc ça, pareil, 2-3 fois de chaque. Ensuite, on va venir donc étirer le muscle que très souvent on oublie, qui est l'iliopsoas. L'iliopsoas, c'est un muscle très important chez le coureur. C'est celui qui fait la flexion de hanche. Alors ce muscle est important pour deux raisons. C'est que d'une part, lorsqu'on court, souvent on a tendance à se pencher un petit peu en avant. Donc c'est un muscle qui aura tendance à se raccourcir. Et en plus, c'est un muscle qui vient s'insérer aussi au niveau du bas du dos, donc sur les vertèbres lombaires, et il va donc accentuer la cambrure, parce que si vous voulez, plus ce muscle va être court, plus on va se retrouver cambré. Alors le problème quand on est trop cambré, c'est qu'on va mettre beaucoup de contraintes sur le bas du dos, et on risque de se faire mal, notamment au niveau des disques, mais en plus de ça, en termes donc de qualité de foulée, si vous voulez, en étant trop comme ça, vous allez avoir un joli pas postérieur, donc une bonne foulée pour pousser. Par contre, vous allez manquer cruellement d'amplitude pour aller chercher devant. Donc, en revanche, si vous êtes bien droit, donc pour ça, il faudra aussi bien renforcer sa sangle abdominale, que je vous présenterai dans une autre vidéo. En étant justement bien droit à ce niveau-là, ça va vous permettre de gagner en amplitude. Donc, l'intérêt pour améliorer votre foulée, ça va être de trouver suffisamment d'amplitude pour aller chercher loin devant, tout en gardant suffisamment de motricité pour pouvoir pousser et projeter le corps vers l'avant. Donc ça sera après à vous de travailler la qualité de votre foulée. Donc concrètement, pour étirer son iliopsoas, donc muscle, je vous rappelle, fléchisseur de hanche, donc on va l'amener en extension. Donc pour cela, on était debout, ce coup-ci on va passer à genoux en position chevalier servant.
Si je veux étirer la jambe droite, genou droit au sol, donc pour cela petit tapis de sol, ou si vous rentrez de votre sortie sur l'herbe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc faire une extension de hanche en poussant le poids du corps vers l'avant. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure pour étirer le mollet, le triceps, ce qui va être important, c'est qu'on n'ait pas le genou qui passe devant la pointe des pieds. Donc pour cela, méfiez-vous justement à avoir la bonne amplitude. Donc au moment où vous poussez, il faut que le genou soit en retrait de la pointe de pied. Une fois que vous êtes ici, pensez à bien rentrer le ventre, basculer le bassin vers l'arrière, donc faire une rétroversion. Plus vous allez rentrer le ventre, donc contracter vos abdos, plus vous allez être efficace au niveau du psoas. Alors le but n'est pas de se faire mal, mais sachez que ce qui est important, c'est que vous devez sentir l'étirement au niveau de l'aine ici. Alors juste une petite chose, les gens qui ont déjà eu une hernie inguinale, méfiez-vous sur cet étirement de ne pas trop solliciter la zone de lésion de votre hernie. C'est quelque chose qu'il faut faire très très attention. Là, selon où c'est que vous en êtes dans votre rééducation, demandez bien conseil donc auprès des soignants qui s'occupent de vous, de ne pas venir vous déchirer à nouveau. Ça, c'est très très important. Donc sinon, pour les autres, on va venir donc pousser comme ceci, main droite, on va pousser vers l'avant donc pour venir étirer toute la chaîne antérieure. Donc on pousse en extension, même chose, on va essayer de se grandir comme si on était un accordéon là, avec un petit fil sur la tête. On se grandit, je m'auto-grandis, je rentre bien le ventre, je serre les fesses pour bien verrouiller mon bassin, je pousse, je souffle, j'inspire à nouveau, je ressouffle, je compte jusqu'à 10, et une fois que j'ai fini, je relâche tout doucement, et on récupère. Donc ça l'idéal, moi ce que j'aime bien faire, c'est une fois que j'ai fait mon psoas d'un côté, ce que je vais faire, je vais étirer l'ischio-jambier de l'autre. Donc pour étirer mes ischios, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre donc comme ceci en venant m'asseoir sur donc ma fesse droite au niveau du talon. Là, je vais mettre une extension de genou étant donné que les ischios, eux, vont être justement fléchisseurs. Petite composante d'extension de hanche, donc du coup, nous, on va venir les mettre en flexion. Le but du jeu ne va pas être d'aller attraper son pied, de se pencher en avant parce que là, vous allez vous abîmer le bas du dos et vous risquez de vous faire mal. Ce qui est important, c'est comme pour les autres exercices, c'est toujours les autograndissements. Donc en termes d'autograndissement, ce que vous allez essayer de faire, c'est j'enfonce bien mon talon dans le sol, genou bien droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le buste le plus droit possible, je vais me pencher en avant. Quand ça bloque, on souffle, on n'a pas besoin d'aller très loin. Alors pour ceux qui sont le plus souples, vous pouvez effectivement aller en direction de vos pieds. Les plus souples arriveront à ramener la tête en direction du genou. Donc à chacun son niveau, surtout ne vous faites pas mal, ça n'est un qui tire énormément. Étant donné très sollicité pendant la course, les ischios, c'est un muscle effectivement où on a un gros risque de se déchirer si on fait mal son étirement. Donc ça, méfiez-vous. Donc on se penche tout doucement en essayant de bien se grandir. Donc si je pousse bien vers le haut, je me grandis sans par contre soulever la fesse, méfiez-vous bien. Donc je suis ici, je me grandis, je pousse le tronc vers l'avant, ça tire, je ramène la pointe de pied vers moi, je souffle. On compte jusqu'à 10 et on relâche. Autre chose à éviter, qu'on voit trop souvent donc, le long des pistes d'entraînement, ce sont les fameux étirements où on va être comme ça et qu'on fait bien des petites secousses. Alors quand vous faites bien des petites secousses, vous avez l'effet inverse de l'étirement. Concrètement, quand on va chez le médecin qui va tester vos réflexes, le plus connu, le réflexe rotulien, avec le marteau, on tape, hop, on a une extension de genou derrière. Pourquoi ? On a un système réflexe qui s'appelle le réflexe myotatique où lorsque le muscle est contracté d'un seul coup, il va avoir justement une réaction réflexe. Pardon, lorsque le muscle est totalement étiré, il va avoir derrière une contraction réflexe justement pour venir ramener le muscle. Donc ça, méfiez-vous bien. Lorsque vous faites des secousses comme ça, ça revient même que le réflexe myotatique, c'est-à-dire que vous allez l'étirer d'un seul coup et lui, qu'est-ce qu'il va avoir comme arc réflexe, il va avoir donc cette composante de contraction derrière. Donc au lieu de l'étirer, vous allez au contraire le raccourcir. Donc méfiez-vous, ça on le voit trop souvent, ça aussi en termes de qualité d'étirement, ça a évité. Donc pensez à bien faire les deux côtés. Moi souvent ce que je fais, donc c'est quadri d'un côté, ischio de l'autre, vous le faites 2-3 fois, après une petite composante qui est toute facile à faire, c'est que vous venez pivoter comme ceci, hop, je vous le remontre, c'est je suis ici, tac, je fais psoas ischio,
Derrière, je bascule, hop, je suis de l'autre côté pour faire psoas, ischio. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a tout fait ce qu'on pouvait faire donc au niveau genou, position, chevalier servant. À ce moment-là, on va s'asseoir. Où là, on va étirer un muscle qui est malheureusement trop connu par les coureurs et les gens qui ont des problèmes de dos. C'est le muscle pyramidal. Le pyramidal, lui, il s'insère donc sur le sacrum, il passe dans la fesse. Un muscle qui a deux faisceaux et le sciatique, le nerf, qui passe au milieu. Donc il s'agit qu'on ait un petit déséquilibre au niveau du bassin. Et qu'est-ce qui va se passer? Les deux faisceaux, si vous voulez, de chaque côté, vont avoir une composante un petit peu de tuteur. Donc si jamais il y a une petite bascule du bassin, ça va effectivement créer une tension au niveau du muscle qui pourra venir pincer le nerf. Donc des fois, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome pyramidal, qui est en fait une sciatique due au pincement du nerf sciatique au niveau donc du pyramidal. Donc pour ça, il faudra bien étirer. Donc si vous voulez étirer votre pyramidal, on va en fait s'asseoir. Je vous le remontrerai après de face. On va amener jambe droite ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener le genou droit vers vous et vers le dedans. Donc pour justement bien venir étirer la fesse, attention de ne pas la décoller. Ça, c'est très important. Main droite, je vais la mettre derrière. Où là, justement, moi, je vais regarder côté droit. Tout en ramenant la jambe, je souffle, je compte jusqu'à 10. Là où ça doit tirer, c'est justement, c'est ici, donc dans la fesse. Petite composante supplémentaire, ce que vous pouvez faire, c'est bien garder pied gauche dans l'axe, pointe de pied vers vous, tout en étant dans cette position, où là, du coup, vous allez faire du 2 en 1, vous allez tirer pyramidal droit, ischio gauche. Donc ça peut être tout aussi sympa. Si je vous le remonte de face, donc méfiez-vous. Très souvent, donc toujours jambe droite, on va étirer le droit. Très souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est avoir la jambe gauche qui va partir en dedans. Donc, gardez bien la jambe gauche face à vous. Pointe de pied vers vous. Je vais ramener mon genou droit vers moi et vers le dedans. Comme ceci. Ma main, je vais la mettre derrière. Je regarde derrière et quelque chose qui va être très important, toujours pareil, que je ne vous ai pas évoqué tout à l'heure, c'est bien se grandir. Plus vous allez vous grandir, plus ça va tirer dans la fesse. Donc ça aussi, pensez-y. C'était un petit oubli de ma part. Donc pensez à bien vous grandir pour bien vous étirer. Je souffle, je compte jusqu'à 10. On relâche. Même chose de l'autre. On le fait 2-3 fois. Une fois qu'on a fini donc, au niveau du pyramidal, on va continuer sur les fessiers. Pour cela, on s'allonge sur le sol, sur un tapis. Où là, vous allez ramener une jambe puis l'autre. Évitez le plus possible, pour ceux qui ont des problèmes de dos, de poser les deux pieds en même temps ou de ramener les deux en même temps. Très souvent, quand on pose les deux en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On va cambrer et on risque de se faire mal. Donc pensez toujours, prenez-le en habitude, que ce soit un réflexe, une jambe, puis l'autre. Pour étirer ses fessiers, très souvent, on vous propose de bien attraper ses genoux et de ramener vers vous. Ce qui est très bien en soi, vu que les fessiers sont des extenseurs, là vous les amenez en flexion. Seul petit bémol que j'aimais, c'est si jamais vous avez des soucis de genoux, petit truc tout bête, venez attraper vos jambes derrière le genou pour le ramener comme ceci. Ou justement, là, vous ferez moins mal au niveau des genoux. Donc, en termes d'étirement, toujours pareil, pour être bien efficace, si vous allez venir rentrer le menton, essayez de vous grandir pour bien étirer la colonne, tout en ramenant les genoux vers vous. On souffle, calmement. Vous comptez jusqu'à 10. Même chose. Et ça, vous allez le faire 2-3 fois. Ce que je vous conseille, dans cette position, profitez-en pour bien vous détendre les chaînes postérieures. Alors, une petite chose à faire, toute sympa, c'est dans cette position, donc, vous allez venir tendre les genoux, ramener les deux pointes de pied vers vous. Voilà. Donc, on va démarrer par les jambes. Une fois qu'on est ici, on va essayer de bien rentrer le ventre pour bien plaquer le bas du dos. Donc, point fixe, on part de l'extrémité donc distale et on va remonter. Donc là, je contracte bien mes abdos pour m'enfoncer. Je relâche les épaules en arrière, bras le long du corps. Je rentre le menton. J'essaie de bien me grandir. Je souffle. Et je compte jusqu'à 10 dans cette position. On relâche. On peut le faire 2-3 fois. Petite composante supplémentaire. Vous pouvez aussi faire pointe de pied, tourner vers le dehors. Donc pareil, en tendant bien. On se grandit, même chose. Et aussi, pointe de pied vers le dedans. Donc ça vous fait faire 3 exercices. Cet exercice, pour ceux qui débutent, je vous conseille de le faire contre mur. Donc vous imaginez qu'il y a le mur à ce niveau-là.
Vous, le but du jeu pour arriver à l'équerre, ça va être progressivement d'amener les fesses contre le mur pour finir donc à l'équerre. Donc pensez-y, donc ça peut vous aider, ou là vous allez faire donc des postures, pointe de pied vers vous. Au début vous allez voir, vous allez être comme ça contre le mur. Méfiez-vous de ne pas cambrer, donc toujours pareil, on rentre bien le ventre et on s'écrase. Et donc on s'étire comme ça et petit à petit on va essayer de rapprocher les fesses contre le mur. Quelque chose que vous pouvez faire en plus, les adducteurs, on peut les étirer debout en faisant une fente latérale, mais aussi on peut très bien les étirer comme ceci, en faisant une petite posture contre le mur, où là ça va tirer à l'intérieur des cuisses, donc pensez à bien les faire. Ça peut être aussi tout aussi sympa pour la détente, en phase de récupération, faites-les plutôt allongés que debout, ça c'est sympa. Enfin, une dernière petite chose, pour vous étirer, si vous voulez, un muscle qui va relier donc le tronc, si vous voulez, des bras jusqu'au bassin, ça va être donc l'étirement du grand dorsal, un exercice qui est sympa, qu'on oublie très souvent de faire, alors à éviter chez les gens qui ont une hernie, mais pensez-y, je vais vous le montrer donc dans ce sens. Ce qu'il vous faut faire, c'est que si vous voulez étirer le droit, c'est que concrètement, vous allez aller avec votre jambe droite complètement de l'autre côté, qui est flex. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le bras droit de ce côté, là ça va venir étirer donc tout le côté, si vous voulez, et si vous le faites bien, vous allez sentir, ça va tirer jusque sous le bras. Donc celui-là, il est très important vu qu'il va relier ce qu'on appelle la ceinture scapulaire donc à la ceinture pelvienne. Donc ça, étirez-le bien comme ceci. On regarde sa main droite, on souffle, on compte jusqu'à 10. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Un petit dernier pour finir, et je crois qu'on aura fait à peu près le tour. Ça sera de venir étirer son fascia thoraco-lombaire, donc étirer le bas du dos. Pour cela, c'est très simple. On va se mettre quatre pattes, les mains devant. On va venir s'asseoir sur les talons, donc ça, le plus bas possible. Avec ses mains, on va essayer de pousser le plus loin possible. Nous, on va rentrer le menton, essayer de se grandir sans décoller les fesses des talons. On souffle, on va compter jusqu'à 10 dans cette position. Donc, on relâche bien. Voilà, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On relâche, on le fait 2-3 fois. Petite composante, très souvent quand on court, qu'est-ce qu'on a? Le petit sac à dos. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à enrouler un petit peu les épaules. Alors, il y en a qui aiment bien s'étirer les pectoraux, style à un encadrement de porte, où donc ils vont se tenir de part et d'autre de la porte en poussant les épaules donc vers l'avant pour amener les bras vers l'arrière pour l'ouverture. Moi, ce que je vous conseille en phase de récupération, faites-le dans cette position, c'est tout bête. Au lieu de mettre les mains face à vous, écartez-les progressivement. Et ce que je vous conseille, c'est de faire 2-3 diagonales. Justement, vous allez sentir, selon le faisceau du pectoral que vous voulez étirer, il y aura une position qui sera un petit peu plus donc, difficile pour vous. Donc, privilégiez justement cette position à étirer. Bah, écoutez, je pense qu'avec ce petit programme, vous avez pas mal de choses donc, pour vous étirer. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez échanger donc, sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook où nous sommes là donc pour répondre à vos questions et échanger avec d'autres couloreurs. Car la chaussée des gens, c'est avant tout aussi un bon moment de partage et de rencontre. Donc faites-vous plaisir, amusez-vous bien sur les sentiers et surtout pensez à bien récupérer pour ne pas vous blesser. A bientôt! Attention, nous vous avons juste proposé quelques conseils afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé. Pour plus d'infos, rendez-vous le premier samedi de juin à Tueil ou sur lachausseedesgeants.com. Et surtout, n'oubliez pas que le sport, c'est toujours santé.